avec un groupe skinopunk destroy, un grand d'Espagne, un prix de justice, un pasteur, une micheteneuse, 5 journalistes, une mère maquerelle, un brodeur, un danseur. Et tout de suite, rendez-vous dans le Saint des Saints, le bureau des patrons des bains, avec Valérie Caprisky. Et alors, c'était quoi ces questions méchantes que tu avais préparées pour moi? Mais j'avais pas préparé de questions pour toi et je veux pas être méchant avec toi. Ouais, qu'est-ce que tout le monde t'a dit de pas être méchant avec voilà. moi? Voilà. Mais enfin. Alors, tu fais de la télévision maintenant? Je sais pas, moi, des trucs comme on dit dans les émissions de télé. Non, merci, alors devenir speakerine. Non, mais qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que je fais? Bah oui, quand les artistes viennent à la télévision, c'est pour dire ouais, ce Ouais, c'est pour dire ce qu'ils font, en général, voilà. l'actualité, voilà. tout ça. Alors vas-y, allons-y. Bah écoute, allons-y, on le fait. Maintenant, c'est moi qui t'écoute. En trois phrases direct, ouais. je viens de faire Stradivarius en Italie, j'ai appris l'italien, j'ai travaillé avec des gens super, et avec Anthony Quinn, entre autres, et ça va sortir au Festival de Venise, tout ça. Là, je vais faire un film avec José Giovanni, années 40, tiré de son bouquin Mon ami le traître. Je sais que c'est un titre génial. Je sais pas ce que t'en penses. C'est bien, ouais. Je t'écoute. Là, parce que là, ça va. Ouais. Et puis, voilà, qu'est-ce que j'ai en projet et ben, dans le style viennois, puisqu'on continue, je veux dire, Polanski est venu avec la métamorphose de Kafka. Ouais. Et bien, moi, je vais interpréter la traductrice de Kafka, Milena Jezenska, avec Vera Belmont, donc, qui est productrice et réalisatrice. Tu es vachement sérieuse, moi, je trouve. Non, c'est vrai. Hein. Ah, tiens, bah, dis donc. Moi, je t'ai connue, t'étais gamine. Là, tu fais petite bonne femme, hein, maintenant. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais ce que tu veux, là. Hein. Ouais, je crois que j'ai eu quand même 2 ans pour méditer ce que je voulais faire. Et j'ai pas tourné pendant 2 ans, donc j'ai eu le temps de réfléchir. Et je me suis dit que j'avais envie de faire des choses que j'aimais et de laisser derrière moi... T'as tourné une page, quoi. Des traces, tu vois, je veux dire, pas des choses faites comme ça à la va-vite. Et donc l'histoire, la vie de Milena Jezenska, c'est génial. Je sais pas qui va encore interpréter Kafka, mais... Polanski. Polanski. Ah oui, très très bien. Je sais pas, pourquoi pas. Ouais. Ouais. En tout cas, j'ai envie de voir la pièce. Parce que la métamorphose, pour l'interpréter, je crois que déjà pour le visualiser, c'est assez difficile, même en livre. Pour le faire en pièce, ça doit être... Il est pendu par les pieds et tout, c'est génial. Ah ouais. Et son accent est utile parce qu'il a vraiment un accent de... De cafard, tu vois. Il fait petit cafard. Non, mais oui, son accent lui sert complètement dans cette pièce à Polanski. C'est ce qu'on avait. Ouais. Alors, dis donc, j'ai lu dans le journal. Dans quel journal? Ah, dans des journaux de chez Philippe Aki, qui sont des bons journaux. J'ai lu dans le journal que tu voulais plus te mettre toute nue. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. De toute façon, j'ai jamais aimé ça. Je crois que toutes les actrices souffrent un peu de... des répercussions de la révolution sexuelle, tu vois, je veux dire, il y a eu un engrenage comme ça, on a été jusqu'à l'extrême. Tu crois que c'est la fin des années 70 quand les gens se mettent à poil dans les journaux, quoi, que c'est un peu ridicule finalement. Non, pas dans les journaux, dans les films. Ouais. Non, mais je trouve que, bon, une scène sensuelle, par-ci, par-là, je veux dire, mais on a été vraiment trop loin, quoi. Je veux dire, 5 par film, jusqu'au bout. Je crois que le summum, ça a été le film de Bellocchio, quand même, Le Diable au corps. Ouais. Je veux dire... On peut pas, les gens ont envie de rêver aussi, je crois que les actrices, elles sont pas là pour se prostituer. Donc c'est fini. On a envie d'être respectées. On ne te verra plus jamais nu dans un film. Sans j'ai pas dit ça. Ah. Non, j'ai pas dit ça, mais je veux dire, parce qu'on en fait tout un plat. Et tu sais comment sont les journalistes, tu leur dis un truc, tu leur dis un truc comme ça, tu leur dis tout simplement. Non, c'est comme ça que j'étais avant. Non, mais tu leur dis tout simplement, j'en ai marre, on est exploité, c'est vrai. Je veux dire, pourquoi est-ce que dans la femme publique, il n'y a pas eu seulement une scène de danse? Pourquoi il y en a eu 3 et pourquoi après, il y a eu 5 scènes de nu, tu vois? Je veux dire, si on avait eu qu'une, moi, j'en aurais beaucoup moins souffert, quoi. Et en fait, les journalistes sortent ça en gros tige, genre, non, je ne regrette rien, je veux être respectée. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Tu fais une interview et alors ça devient un truc bateau. On dirait que j'ai fait du porno, ce qui est faux. Je veux dire, parce que quand même, Zulawski, c'était un film très intéressant et plutôt intello et pas grand public. Je veux dire, L'année des Méduses non plus, pas vraiment. Non, non, mais bon. Mais ce que je veux dire, tout simplement, on c'est que. Plus j'ai tenu, quoi. J'ai c'est eu tout un. Ce que je retiens quand même. Je crois qu'on m'a séduit et que... Ah bon, peut-être, moi, j'ai un ras-le-bol, quoi. Je veux dire, déjà, c'est devenu difficile. Je crois qu'il faut se mettre dans la peau des actrices. Comment tu veux... Moi, je défends les actrices. Alors, t'en as ras-le-bol des c'est vrai, mais remarque. Non, d'abord. D'abord, regarde, pour toi, les actrices les plus glamour du cinéma, ce sont lesquelles? Celles que j'ai jamais vues à poil. Voilà. Celles des années 50. Oui. Je veux dire, celles qui étaient tout en glamour, en sensualité, qui jouaient avec leurs vêtements, avec leurs décolletés, avec leurs gants, sans citer des noms, je veux dire. Et pas celles qui se déshabillent, quoi, je veux dire, parce qu'on fait pas fantasmer, on fait fantasmer personne. Alors dis-moi,
Être actrice, c'est faire de la promo pour des films, ce qui est chiant. Je veux dire, toi là, c'est bien parce que tu fais pas de promo, mais je veux dire, les acteurs, ils viennent à la télé pour faire de la promo. Ensuite, il faut se mettre toute nue dans les films parce que les gens, ils veulent qu'on se mette toute nue. Ensuite, c'est les gens s'intéressent. C'est terrible, les gens s'intéressent à ta vie privée, les journalistes s'intéressent ouais, à ta vie privée. Ça, c'est vrai. Mais j'arrive assez bien à me défendre quand même. Ouais. Tu donnes ce que tu veux donner. Donc, tu veux dire à moins que tu sois poursuivi par les paparazzi au Bahamas. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, on te voyait dans les journaux avec tes fiancés, c'était. Comment dire, c'était toi qui étais d'accord, quoi. Non, j'étais pas d'accord, mais les fiancés, les pauvres, je dirais. Non, mais être suivi par les paparazzi jusqu'au Bahamas, ouais. Alors que tu te crois seul au monde avec ton fiancé, faut là, c'est très dur. Au Bahamas, fallait en Auvergne. Oui, mais tu sais, je veux dire, ils se retrouvent quand même. Ils ouais. se retrouvent, ils creusent un trou dans la montagne. Ouais. Hein. Alors maintenant que tu as tourné une page, quelle conclusion tu tires sur toutes tes histoires là qu'on a vues dans la presse? Quelles histoires? Je sais pas, moi, je t'ai vu avec Anthony Delange, je t'ai vu avec le patron de Globe. Je sais pas, Il a bien voulu se montrer avec moi, pourtant, ouais. Lui, c'est un journaliste averti. Ouais. N'est-ce pas? Lui, tu crois que ça l'arrangeait de faire ça? Je sais pas, non. Soyons pas méchants, je veux dire. Il aimait bien sortir, on sortait ensemble et clic-clac. Ouais, crac-crac. Alors, j'ai vu comment il s'appelle l'autre jour? Anthony Delange, dans une émission de télévision. Et il disait qu'il ne voulait plus parler de toi, disons. C'est terrible. Ah ouais, on ne va plus te voir toute nue. Anthony Delon ne veut plus parler de toi, disons. C'est dur la vie, là, quand même. Pourquoi? J'ai pas vu, tiens. T'as pas vu? Qu'est-ce Non, il disait je ne parlerai pas. Non, je ne dirai pas. Je ne dirai rien. Voilà. Bah oui, écoute, je veux dire, c'est une histoire. Moi, on te demande avec qui tu sors. Ah, moi, on me demande sans arrêt. Non, mais à la télévision, non, tiens. Ah, non, qui est ta fiancée? Elle s'appelle Béatrice. Béatrice oui. Et tu l'aimes? Je l'adore parce que je vais me marier avec elle. Tu veux te marier avec elle? Tu veux des enfants? Ouais. Maintenant, je pense qu'à mon âge, si tu veux, c'est la seule chose qu'il reste à faire. Je te le dirai pas, ça, par contre. Tu dois le dire, le public doit tout savoir. Je veux dire, on va aller chercher demain des centres de police. Tu vois, je te dis pas tout. Ah non, mais il faut dire. Quel âge j'ai? C'est terrible. 35 ans. Ah, mais tu vois, t'es gentil. Ah bon? 35 ans. 39 ans. Ah bon? 39 ans. De toute façon, à 30 ans, tu faisais déjà 39 ans. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que je rajeunis. Mais quand je vois les couvertures de mes bouquins, j'ai l'impression que je vais de plus en plus jeune. Non, mais tu changes pas physiquement. Hein? Toi non plus, tu es très jolie. Merci. C'est le salon des hypocrites, tu sais. François, Adji, Lazaro, Dizarbi et les garçons bouchers, carnivores. Je suis carnivore. Je n'ai très bon rien de rien contre les végétariens. Mais les vaillants sont plus beaux avec du gigot. Rien contre les alcoolos, surtout s'ils marchent au Bordeaux. Rien n'est plus d'image, je m'en propose. Marche en bas. Carnivore. François Adji Lazaro, t'es le chef des bouchers, toi. Voilà, ouais, ouais. Deux fois diplômé de la Villette. Alors, est-ce que tu peux nous présenter les autres garçons bouchers? Ah là, il y a Daniel, le guitariste fou. Là, il y a Eric, le guitariste, le chanteur non moins fou. Et là, il y a Riton, le bassiste calme et pondéré. Ça existe depuis combien de temps, les garçons bouchers? Ouais, ça va faire un peu plus de 2 ans maintenant, à l'époque où il y avait à Paris tout ce mouvement alternatif et indépendant qu'il y a eu il y a à peu près 2 ans à Paris. Donc vous êtes contre le top 50 de l'alternatif? Non, on est pour le top 50 si on est dedans, et on est contre tout ce qui est, on est contre tout ce qui est dedans actuellement. Ouais. En dehors de ça, vous êtes quand même pour le retour à la grande musique. Là, il y a eu les Ablettes avec Tu verras. La semaine dernière, il y avait les Porte-Manteaux avec Saïra. Vous nous faites Ménilmontant. Donc, c'est le retour à la grande tradition de la chanson française. Non, même te faire non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Ah bon? Ouais, c'est le prochain. Ouais, bah, disons que, ça se fait, ça. Bah, disons que nous, on n'a pas de complexe par rapport aux groupes anglo-saxons. Surtout depuis 1 ou 2 ans, il n'y a vraiment rien du tout en musique anglo-saxonne. On a une culture qui est à la fois une culture rock. Tout ce qu'on entendait quand on était môme ou adolescent, et puis en même temps on entendait à la radio tout ce que pouvait passer comme ce qu'on appelait la chanson française, puis on peut difficilement nier l'influence que ça a eu, et puis maintenant bon, un certain nombre de groupes ont plus peur de les chercher ces racines-là en même temps que celle du rock. C'est la grande réconciliation là. Ouais, en quelque sorte, oui. Alors toi, à part ça, tu t'occupes d'une maison de production qui s'appelle Boucherie Production, c'est ça? Bah ouais, on a créé un label parce que bon, on savait très bien que par le biais des labels classiques et ce qu'on appelle les majeures compagnies, on n'avait aucune chance. En même temps, tout le milieu alternatif avait des labels qui bricolaient un petit peu sans vraiment nous satisfaire, donc on a créé notre propre label.
Et puis ça a marché tout de suite, ce qui fait qu'on a signé plein de groupes et que là... Il y a quoi comme groupe à part les Garçons Bouchers? Il y a les Garçons Bouchers, il y a Los Carayos, il y a Pigalle, il y a les Chihuahuas, les Bébé Doc, la Mano Negra, bientôt un groupe hollandais qu'on vient de signer, ça sera le premier groupe étranger, les Crabs de Lyon. Et on espère bien continuer comme ça, ça marche très bien. Et puis on a sorti un peu notre disque de prestige là, il y a environ 2 mois. Qui s'appelle Mon grand frère est un rocker et qui est le premier album compilation avec 13 groupes parmi les plus durs groupes français à faire un album pour enfants. Je crois qu'il n'y a jamais eu vraiment d'album de rock pour enfants de ce type-là fait dans le monde. Donc on est fiers et puis ça marche bien. Quoi. Les mômes s'éclatent bien. C'est ton côté instituteur ça. Si on veut, c'est surtout mon côté anti-Chantal Goya et anti-Dorothée. Mais quand tu étais instituteur, c'était comment alors? Bah, c'était un peu le bordel aussi, oui. C'est pour ça que je suis pas resté longtemps. T'étais comme ça déjà hein, bien, ouais, j'étais bien comme costaud, ça, ouais, j'étais comme ça. Ouais, mais c'est bien, surtout que les classes de maternelle, elles n'ont pas intérêt à l'ouvrir. Parce que... Et les mamans, elles avaient pas peur quand elles t'amenaient les petits le matin là. Ah bah, si, elles restaient au coin de la rue, puis elles les lançaient comme ça. Pour... elles avaient peur de les amener. Ça a duré combien de temps? Oh, ça a duré 2 ans. 2 ans? Ouais, un calvaire pour les mômes. Et ils t'ont foutu dehors ou c'est toi qui es parti? Non, ils m'ont foutu dehors. Pourquoi? Qu'est-ce que t'avais fait? Oh, bah raconte! Des divergences pédagogiques. C'est-à-dire? Bah, j'aimais pas trop tout ce qui était inspecteur, etc. Ah ouais? Pas. T'as voulu frapper un inspecteur? Mais dis-le, c'est pas grave, à cette heure-là, ils regardent pas les inspecteurs. Tu veux pas le dire? Non, on sait jamais, peut-être qu'il y a des inspecteurs qui achètent des disques de rock, alors bon, à part. Ouais, ah, disons, tu vas te faire plein de thunes avec une mentalité comme ça. Ah, ouais, bien sûr, hein? T'es parti pour réussir, là. Ouais, ouais. Alors, il y a une chose qui est bizarre, c'est que t'étais instituteur, mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que tu faisais du folk, il paraît. Eh ben ouais, je te vois pas, moi. T'avais les cheveux sur les... J'avais les cheveux longs, une grande barbe, des sabots et... Non. Si. Je jouais de la vielle, du cimer. Sur malicorne et tout? Voilà, exactement. Hein? Oui, tout à fait. Je crois pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, je sais pas, ça doit être un jour une montée de... Le bon dieu du hard qui t'est... Voilà, le gaz carbonique qui m'a brusquement pris là, j'ai eu besoin d'un apport bucolique et... C'est continuellement remonté, je crois. Ah ouais, tu lui as changé la vie. Tu l'as connu avec les douilles sur les épaules, toi? Non, il faisait la manche dans le métro. Je l'ai pas connu. Avec les guitares sèches, à chanter. Ça t'arrive encore des fois de faire un peu de folk à la maison le soir, comme ça tu fais... Bah ouais, quand même. Oui. La preuve, c'est dans les Garçons Bouchers, il y a du violon, de l'accordéon. Et j'ai appris ça dans ma grande période Et de l'harmonica. De bourrée. Ouais. Puis bon, j'ai rencontré monsieur qui lui était un affreux skinny punk destroy. C'était ça, toi? Non. T'étais quoi quand tu t'as rencontré? Un petit branleur, comme tout le monde. Ouais. Et toi? T'es un grand branleur. Un grand branleur. Qu'est-ce que tu faisais? Je ne sais pas. J'ai du folk. Non, c'est vrai? Oui, il a profité du changement aussi. Lui. Et toi? Alors, moi, je faisais caissier dans une organisation. Caissier? À but non lucratif. Soit caissier, lui, instituteur, je veux dire. Et moi, je voulais compter. Il s'est fait virer aussi. Il s'est fait virer aussi? Bah, oui. T'avais pas piqué la caisse quand même? Non. Et c'est vrai que t'es l'idole de Béatrice Dalle. J'aurais dû. Ouais. Bah ouais. C'est vrai que t'es l'idole de Béatrice Dalle. Non, c'est Daniel, l'idole de Béatrice Dalle. Bah bon, c'est... Vous êtes les idoles de Béatrice Dalle. Ouais, voilà, ouais. Et ça nous a permis, comme ça, de pouvoir lui demander gracieusement de venir participer à notre clip sur le morceau Carnivore. Et on vient de finir de tourner le clip. Ça sort quand? Ça sort dans un mois. À peu près, le temps de monter. Il y a Professeur Choron aussi, donc Béatrice Dalle qui découpe de la viande à la tronçonneuse. Ouais. Il y a Christophe Salengro qui fait un serveur de restaurant dans un restaurant un peu bizarre où la salle est très clean et où la cuisine, où c'est nous qui faisons la cuisine, est particulièrement dégueulasse. Enfin, ça va être un clip, bien quoi. C'est ça. S'il n'est pas interdit, ça va être super. Qui l'a réalisé ce clip? C'est un jeune réalisateur, Jean-Michel Roux, qui est en train de faire un feuilleton de 32 épisodes de 5 minutes, qui est un peu en retour aux séries, aux séries américaines, etc. Un jeune plein d'avenir, comme on dit. Et on vous voit chez Drucker dans combien de temps? Semaine prochaine. On préférait faire ça. On préférait faire Sabatier, donc je sais pas, c'est. Ouais, c'est préfères. Vichy. Ouais. Ouais, c'est tout. Mais alors, t'as l'air d'un skin comme ça, mais en fait, t'es vachement sympa, il paraît. Les skins aussi, ils sont sympas. Bah non, il y en a qui sont faf des skins. Bah, ça dépend, si t'es tout seul et qu'eux ils sont 3, ils sont pas sympas. Si t'es 3 et que lui il est tout seul, ils sont super sympas. Nos pas nous entrer dans le pays de Saint-Calor. Moi les balas, ma vie, moi nous le vie. On a la foutre de la vie de Saint-Denis. On fuit le sabbatoire de la Villette. Mais nous mettons des bougies pour trouver des couvertes.
voyageur du blog, t'as pas un chasseur. L'amateur de ces tatars n'est vraiment pas un barbare. Il aime les choses à les œuvres d'art. Caribou. José-Louis de Villalonga, vous êtes journaliste, acteur, écrivain, surtout écrivain, comme dit la quatrième de couverture de votre dernier bouquin. Mais alors, en tant qu'écrivain, il y a quand même deux José-Louis de Villalonga encore. C'est-à-dire qu'il y a l'historien qui raconte un peu l'Espagne de la fin de la monarchie, disons, enfin des années 30, et puis le chroniqueur mondain. Le chroniqueur mondain, un je peu... ne le vois pas très clair, non. Bah quand vous faites non. Golgotha, ou quand vous faites Altesse, ou quand vous faites Ma vie est une fête, non, Altesse, c'est quand même... Altesse est un vrai roman. Oui, mais enfin, c'est quand même, disons, plus mondain qu'historique. Oui, oui, peut-être, je ne sais pas, j'ai jamais très bien compris ce que veut dire mondain, mais... Chroniqueur. Chroniqueur, peut-être, oui. D'accord, soit historien, soit chroniqueur. Soit, oui, je préfère ça. Alors, le bouquin qui sort chez Orban, là, c'est Ma vie est une fête, c'est plutôt dans la... on classe plutôt dans la catégorie des chroniques. Alors, ça, c'est carrément de la chronique, oui. C'est... Ça s'appelle Ma vie est une fête. Est-ce que votre vie est vraiment une fête? Non, j'explique pourquoi j'appelle ça Ma vie est une fête. Je considère qu'aujourd'hui, le grand luxe, ça n'est pas l'argent, c'est la liberté. Et la liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire de travailler à ce que l'on aime, de ne pas avoir un patron, de ne pas avoir des horaires, de pouvoir changer de pays quand on en a envie. Et ça, heureusement, je peux le faire depuis à peu près une vingtaine d'années. Je peux choisir. C'est ça la fête. C'est ça la fête, voilà. Il y a une histoire qui est très marrante. Vous êtes à Hollywood, vous rencontrez Einstein, carrément, qui est là, avec des pantalons tire-bouchonnés. Il est venu un jour, Einstein, voir faire une visite au studio. Et là, il s'est passé une histoire absolument extraordinaire avec cet acteur qui est le père de Lorenzo Lamas, oui. Fernando, qui était un grand ami à moi, qui était un Argentin très beau et d'une bêtise à couper. Et alors Einstein avait demandé à visiter un studio parce qu'il était passionné par le cinéma, tout ça. Alors il était comme un enfant avec les yeux grands ouverts. Oui. Et puis tout d'un coup, on l'a vu assis sur un canapé avec Lamas. Et ça nous a fait marrer. Tout. On a dit, qu'est-ce que Lamas peut bien raconter? Parce qu'il parlait tous les deux avec beaucoup de... Et quand Lamas est revenu vers nous, on lui a dit, qu'est-ce que tu racontais Einstein? Il a dit, mais qui c'est Einstein? Il a dit, mais, c'est le mec c'est, avec c'est qui monsieur... tu parlais. Ah, il s'appelle Einstein. Ah oui, je me disais bien, il a l'air très juif. Dis, oui. Et de quoi tu lui parlais? Il a dit, non, Einstein m'a dit, vous en avez de la chance d'être acteur parce que vous êtes entouré de jolies femmes. Et moi, je lui ai dit, vous savez, monsieur Einstein, tout est relatif. Ouais. Et il m'a dit... Oui, j'ai une théorie là-dessus. Ah, Sylvie ne savait absolument pas de quoi. Je ne savais pas du tout de quoi l'autre lui parlait. Pour vous, finalement, le cinéma américain, c'est un jour, on vous dit, il faut que tu sois demain matin ou après-demain matin à New York pour aller embrasser Kim Novak. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Un lundi matin, on m'a dit, mercredi à 4h, vous partez à New York. Vous avez une scène avec Madame Novak à 14h de l'après-midi, vous l'embrassez sur la bouche et vous repartez. Ouais. Et ça s'est passé exactement comme ça, ce qui est impensable dans le cinéma européen. Ouais. C'est-à-dire que moi j'aime bien travailler avec les Américains, mais il n'y a aucune fantaisie, il n'y a aucune imagination. Vous l'avez embrassé un peu trop fort quand même. Bon, écoutez, mettez-vous à ma place. Oui, mais enfin, elle était un peu choquée quand même, non? Oui, elle n'était pas contente du tout. Mais j'aime bien travailler avec eux, mais c'est... Je me souviens à l'époque où j'ai fait le premier film avec lui, Mal, Les Amants,
on travaillait un peu sur le coup. Tout d'un coup, lui avait une idée, il disait non, on va changer tout ça. Avec les Américains, pas question. Vous savez, 3 jours à l'avance, exactement ce que vous allez dire. C'est un peu triste. Pas question. Oui, c'est triste. Vous savez que vous allez embrasser Kim Novak tel jour à telle heure. Pendant tant de secondes, pas plus. Alors, c'est un peu comme aller à l'usine. Ouais. Vous avez vu Marilyn aussi dans le tournage des Misfits. Oui. Ça n'allait pas bien, là? Non, ça allait très très mal. Il y avait le pauvre Clark Gable qui était déjà... Il allait mourir 15 jours après ou un mois après. Et moi, j'étais très étonné parce que j'avais beaucoup d'admiration pour cette fille, comme tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'il était absolument détesté par tout le monde. Parce que là où elle allait, elle apportait le désordre. Mais ça, c'est un truc étonnant dans votre bouquin. Le désordre, la tragédie. Elle buvait... Elle n'arrivait pas à l'heure. Et le pauvre Gable était déjà malade. Il en avait marre. Et elle le faisait attendre 2-3 heures. Enfin, c'était... Il y a un truc très rigolo dans votre bouquin aussi, c'est quand vous déjeunez avec Malraux et Louise de Villemorin, parce que vous expliquez à Malraux que finalement, les Espagnols tels qu'ils les montrent dans l'espoir... Il n'a pas aimé du tout. Non, il m'a dit, est-ce que c'est vrai que vous avez dit que l'espoir est un roman comique? Je dis non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement que pour les Espagnols, l'espoir est un roman sur l'Espagne, écrit par un Français avec une vision française. Et que tous les personnages du roman parlent tous comme Régis Debray. Ouais. Ils sont tous des théoriques du marxisme, ils ont lu Lénine, ils ont lu Marx. Alors que c'est pas vrai, c'était des illettrés. Ouais. Il n'a pas aimé du tout. Et Le Pen, alors votre rencontre avec Le Pen, c'est drôle ça aussi. J'étais le témoin du Marquis de Cuevas dans un duel qu'il a eu avec c'était Serge Dufat. C'était le dernier duel qu'il a dû avoir en France, je pense. Et Le Pen était... Moi, j'étais un des témoins de le Cuevas et Le Pen en était l'autre. Et alors, comme Cuevas et Lifar étaient des amis de toute la vie, ils s'aimaient beaucoup et tout ça. Bon, le Cuevas l'avait giflé en public au Théâtre des Champs-Élysées, alors l'autre lui a envoyé ses témoins. Mais les témoins, nous n'avons jamais cru à ça. On a dit, on va arrêter cette histoire. C'est vraiment dangereux de mettre deux vieillards l'un face à l'autre avec une épée à la main, alors qu'une épée à la main, quand on ne sait pas s'en servir, ça peut être terrible. Eh bien, Le Pen a insisté et il a dit non, il faut aller sur le terrain, il faut laver l'honneur du marquis. Ça a été l'horreur. Et on est allé sur le terrain. Oui. Et Cuevas a embroché le pauvre Lifar. Oui. Dès qu'il a vu le sang, il a jeté son épée, il se mit à pleurer à chaudes larmes. Et je me souviendrai toujours qu'il y avait Le Pen qui était là, qui regardait cette scène et qui a dit « Ah, c'est métèque, toujours les mêmes ». Et c'était un personnage prémonitoire, parce que toute cette espèce de racisme... Il n'a pas changé. En exclusivité pour Bain de Minuit, Fritz Lord présente maintenant un remake de M le Maudit avec Guy Cuevas et Franck Maubert. C'est le chouchou de la semaine. C'est le chouchou de la semaine. Le chouchou de la semaine. Mais qu'est-ce que c'est que le chouchou de la semaine? Je vais te le dire ce que c'est. C'est Courtney Pine, un saxophoniste fou génial pour moi. C'est David Johansen, qui en a eu marre de ne pas avoir de l'argent et qui a fondé un nouveau groupe après les New York Dolls. C'est génial et tu devrais connaître aussi. C'est du jazz. Y'a que ça de vrai, je n'arrête pas de le répéter. C'est le chouchou de la semaine. Mais qu'est-ce que c'est que le chouchou c'est de la semaine? C'est le chouchou de la semaine. Mais qu'est-ce que c'est que le chouchou de la semaine? Le chouchou de la semaine. Alors Charlie Hendrix, vous êtes aumônier dans une centrale de la région parisienne. Et Robert Morcet, tu viens de publier un livre qui s'appelle Tendre Voyou. Et qui raconte ton expérience. C'est une histoire, on peut dire c'est une histoire con, quoi. T'étais un mec plutôt sympa. Je le suis toujours, je crois. Ouais, et puis un jour, t'as tiré sur un flic. Ouais, entre autres. Alors, comment ça s'est passé? Oh, bah, c'est toute une aventure, si tu veux. Bon, bah, moi, ça a commencé par déjà les orphelinats, la petite délinquance. Et puis ensuite, il y a eu un passage, disons, tranquille de ma vie.
Et je suis tombé dans la grande délinquance à un moment où, si tu veux, j'avais des problèmes financiers. Ouais. Bon, j'étais entraîné par quelqu'un, enfin, je ne vais pas te raconter toute l'histoire du bouquin. Non, mais j'ai lu le bouquin, oui, il y a un type qui te dit, dans le fond, si tu as besoin d'argent, on pourrait faire un casse. Voilà. Vous allez faire, à l'époque, tu vis en Allemagne. Je vis en Allemagne. Vous allez faire un casse en France, puis c'est voilà, puis ça se passe mal. Le type te... Ouais, c'est ça. Bah, si le tu type veux, te c'était... plante, et puis voilà, en sortant de la banque, tu tires sur un flic, et jusqu'à la fin, d'ailleurs, on ne sait pas si tu l'as tué ou pas tué. Non, parce qu'au départ. Ils te font croire que tu l'as tué. Bah, au départ, non, c'est-à-dire. Attends, au départ, quand j'étais en cavale, je me suis mis donc en cavale, je ne savais pas si je l'avais tué. Ouais. Parce que je l'ai vu basculer. Bon, bah, tu sais, on va pas vérifier. Puis en plus de ça, il y avait ses collègues qui étaient derrière avec les sulfateuses. Bon, bah, je me suis cassé, quoi, le plus vite possible. Et puis donc, a commencé ma cavale de 6 mois en Allemagne. Ouais. Et puis c'est là que je suis tombé vraiment dans le grand banditisme. Bon, bah, au total, j'ai fait 14 hold-up, quoi. À la fin, quand je me fais prendre donc, par les anti-gangs, c'est en allant embrasser mes gosses, quoi. Parce que bon, bah, on devait faire un fourgon postal, c'était une affaire suicidaire, et puis je croyais pas m'en sortir. Round. Ouais, mais c'était. Tu croyais pas au fourgon postal? Ah non, j'y croyais pas. Ah, t'as fait combien d'années de taux là, après ça? Bah, si tu veux, au total, j'ai pris 18 ans et demi. Mmh. Hein. J'ai fait donc 9 ans et 3 mois en France. J'ai pris 15 ans d'assises de Metz. Mmh. Et j'ai fait donc le reste des 11 années en Allemagne. 11 années? Ouais. Le reste des 11 années. T'avais quel âge? J'ai fait 11 ans plein. Ouais. Bah, j'avais 25 ans. Et quand t'es sorti? Bah, 36 piges. Alors, comment ça se passe, les prisons? Les prisons, bah, c'est un monde dans un monde. Je crois que tu pourrais mieux en parler que moi, Charlie. Hein. Toi, tu y es depuis des années, hein, les prisons? J'y suis depuis le 1er octobre 83. C'est une centrale. C'est des longues peines. C'est des condamnés à mort graciés, des perpètes, des 20 ans et des 10 ans. C'est assez répressif. D'après ce qu'il dit dans son bouquin, je veux dire, il suffit d'aller en prison pour devenir un vrai truand pour le restant de ses jours. C'est-à-dire, il y a une grande promiscuité, puis il y a une chape de plomb, de silence, qu'il est difficile de percer. Et le sexe en prison, comment ça se passe? Bah, le sexe, tu sais, soit tu es homosexuel, ou soit tu te satisfais toi-même. Bon, bah, moi, je me satisfais moi-même. Mais c'est pas, on n'est pas forcé d'être homosexuel? Non, on n'est pas forcé, mais c'est encouragé aussi. Il y a forcément une obsession sexuelle, parce que c'est une castration. Bah, oui, parce que les mecs sont tous enfermés. Exactement. Bon, bah, si tu veux, j'en parle aussi dans mon bouquin. J'étais forcé planter un mec dans les douches, hein, qui voulait avoir quelque chose de moi que je voulais pas lui donner. Dans ton livre, il n'y a pas du tout d'obsession sexuelle. Et qu'est-ce que tu lui as fait? Alors, tu lui as mis un coup de poing? Ah ben, non, j'avais une pointe, ce qu'on appelle une pointe, une petite pointe, hein, comme beaucoup de détenus en ont dans les longues peines. Et c'est puis, quoi une pointe? Bah, c'est fait qu'une lame, quoi. C'est une lame. Tu l'as menacé avec ça? Non, je l'ai planté carrément. Ah bon? Et t'as pas eu d'histoire? Bah non, parce qu'il n'a pas été mouchardé, et puis ça vaut mieux pour lui, hein, parce que mes copains, quand même. Si tu veux, le clan des braqueurs, c'est le clan des braqueurs. Il y a une grande solidarité entre les deux. Ah ouais, ouais, à c'est l'intérieur sûr. D'un clan. Ça serait quoi la solution pour un mec comme toi, si ce n'est de foutre en taux, là? La solution? Ouais. Oh bah tu sais, la solution, non. C'est-à-dire que t'as un problème si quand tu tires sur un flic, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, dans ce cas-là, oui, tu vas me dire la prison et tu. Je dis pas que c'est. Non mais que la prison, alors, pire qu'avant. Alors je vais et les gens qui tirent sur des flics, qu'est-ce qu'il faut en faire? Alors je vais te dire, bon bah c'est très simple. Tu regardes par exemple les prisons en Allemagne, tu regardes les prisons en Suède, en Norvège, au Danemark. Mmh. Hein, c'est considérer déjà l'être humain comme un être humain. Mmh. C'est pas lui enlever sa dignité d'homme. Mmh. Et en France, malheureusement, il y a moins de criminalité ce dans ces pays-là. Il y en a moins. Mmh. C'est bizarre, hein, je sais pas. Mais c'est comme ça. Et je vais te dire, on fait venir, une fois par semaine, les femmes viennent rejoindre leur mari. Ils ont des cellules spéciales, ce qui est exact, n'est-ce pas? Ils ont des contacts sexuels tout à fait normaux. Je trouve ça sublime. En France, par contre, on t'enferme, on te prive de tout, on t'insulte, on te brise, on te casse, et puis voilà. Et puis après, on dit démerde-toi. Alors la deuxième façon de t'en sentir en dehors de ta rage de vivre qui a commencé très jeune, c'est quand même la foi, c'est quand même la religion, c'est la prière. Bah, c'est surtout, j'ai beaucoup prié en prison. J'ai découvert, si tu veux, j'ai découvert la foi en tôle. C'est marrant, mais c'est comme ça. Parce qu'en prison, j'étais seul, j'avais plus rien, et j'ai tenté de me raccrocher à quelque chose. Et j'ai trouvé des gens bons, en les aumôniers, donc protestants. Mmh. J'étais protestant, donc... En plus de ça, une petite anecdote, c'est qu'au départ, tu sais, quand j'étais en maison d'arrêt, l'aumônier n'avait même pas été prévenu que j'étais arrivé, parce que bon, ça passe par les bricards, tu sais comment c'est. Les brigadiers, on se rappelle les bricards, et... Ils aiment pas que tu t'en sortes, ils aiment pas que ça te fait, que t'aies des petits plaisirs. Alors, ils avaient même pas dit à l'aumônier protestant que j'étais là. Et ça s'est fait tout à fait par hasard, j'étais au mitard. Alors, j'ai fait 2 ans de mitard dans toute ma détention parce que je me suis toujours battu, si tu veux, pour les droits de l'homme en prison. J'étais écrivain public à Metz, tout ça, puis j'ouvrais toujours ma gueule pour les autres, et ce qui fait que moi je plongeais. Mais enfin, ça c'est pas grave, je regrette pas. Alors donc, j'étais au mitard et l'aumônier passait par hasard voir un collègue qui était dans le mitard à côté.
Et puis j'entends l'aumônier protestant. Alors moi je tape à la porte et puis il dit oui, je dis ici, moi aussi je suis protestant, venez me voir, j'avais envie de voir quelqu'un, c'est pas marrant. Et en ce temps-là c'était 45 jours le mitard, hein. Maintenant c'est 30 jours je crois. Hein. Dans mon temps c'était 45 jours, et des fois il cumulait, tu vois. Alors il te faisait sortir une journée, il te faisait retomber le lendemain, ça faisait 90 jours d'affilée, c'était vraiment horrible. Et donc il m'a ouvert la porte, et puis voilà, et puis on a parlé, machin. Il m'a dit tu veux une clope? Je dis ouais. C'était interdit, les cigarettes maintenant c'est autorisé, hein, je crois, dans les mitards, les cigarettes. Vous leur apportez quoi alors, Charlie? Ben moi j'apporte la lecture biblique et je prie avec ceux qui veulent prier. Mais ce n'est le droit d'apporter rien du tout. Non, mais si n'importe quoi, je ne le dirai pas n'importe comment. Je vais vous dire, monsieur Casalis m'a apporté du chocolat, m'a apporté des clopes, m'a apporté du pain d'épices, tout ça, parce qu'on était bien contents de bouffer. Mais on fouille ma serviette, alors je peux rien apporter. Je peux apporter des livres, je peux donner la Bible. En tant que chrétien, ça vous révolte la façon dont on les traite en prison? J'aimerais qu'on les considère comme des êtres humains, c'est ce que j'essaye de faire, en apportant de la lumière, de l'air pur dans cette prison. Mais y a l'administration pénitentiaire, il ne faut pas la condamner en bloc. Il y en a qui sont très humains. C'est comme partout. Il y a toutes sortes de surveillants. Mais le problème, c'est que si tu veux, il y a des bons et des mauvais, comme il dit, je suis d'accord avec lui, comme il y a des bons et des mauvais flics, comme il y a des bons et des mauvais magistrats. Mais il y a plus de mauvais que de bons. Cette fois que tu as découvert en prison, tu continues à la vivre depuis ta sortie de prison? Ah oui, c'est-à-dire que si tu veux, qu'on me parle de la Bible, tout ça, j'ai lu la Bible d'ailleurs une dizaine de fois, tu vois. Je la connais très bien. Le meilleur passage que je préfère, c'est l'Apocalypse. J'adore l'Apocalypse. Ah oui, parce que c'est le passage le plus dur à expliquer. C'est le livre codé, quoi. Exactement, écrit voilà. Écrit sous les persécutions. Voilà, si j'étais toi producteur de cinéma, je ferais un film là-dessus, c'est sublime. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller en prison pour découvrir la foi, finalement. Bah oui. C'est pas automatique. Bah, c'est pas automatique, non, mais enfin, il faut être mal, quoi. Ouais. Bah, y a des gens qui découvrent la foi. Tu sais, bon, quand j'ai une fois, la première fois que j'étais au militaire, justement à Metz, le briquier, il me dit, tu sais, en prison, on a le droit à 10% de perte, c'est comme à l'armée. Ouais. Et je croyais que j'allais crever vraiment, parce que je dis, c'est pas possible, j'étais jamais au militaire de ma vie, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce machin? Et je me suis mis à prier vraiment, tu vois, et bon, bah, j'ai tenu le coup, et puis je m'en sors pas trop mal hein, dans l'ensemble. Comment ça va alors depuis que tu es sorti? Bah, ça va bien, j'écris donc Tendre Voyou, j'ai fini mon deuxième livre déjà, qui s'appelle Le Tueur, et j'attaque un troisième qui s'appelle Du Suif chez les Malfrats. Alors, si tu veux, bon, ben, j'ai une idole dans la littérature, c'est Auguste Breton. Mais t'as pas peur en écrivant des livres qui s'appellent Le Tueur de donner la vocation à des mecs qui vont faire après 11 ans de tôle? Bon, ben, j'ai côtoyé ce monde de voyous, de truands, si tu veux, grâce à l'administration française. Alors maintenant, je n'ai plus qu'un seul moyen pour m'en sortir, c'est de continuer à écrire. Robert, tu crois que tu retomberas jamais là? Tu sais, j'habite à Nîmes-du-Maine et je vais faire souvent un pèlerinage à la santé. C'est-à-dire, je fais le tour de la santé et je respire. Parce qu'il ne faut pas oublier, je crois que c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. On n'a pas le droit d'oublier. Cathy, c'est ton vrai nom? Non, ce n'est pas mon vrai nom. C'est un nom de travail? Tout à fait. Tu viens d'où alors? Moi, je viens d'un milieu tout à fait aisé. Ouais. Je vis très bien à la maison, moi. Et j'ai donc suivi des études jusqu'en terminale. J'ai fait une terminale B. T'as eu ton bac? Non, j'ai eu que la première partie français. Aye. Tu voulais faire quoi comme bac? Philo? Non, je voulais faire F8 paramédical. Et pendant ton adolescence, tu faisais quoi? Tu sortais dans les boîtes? J'allais en discothèque, je rigolais bien. Et j'avais donc des amis qui étaient beaucoup plus âgés que moi et qui michetonnaient. Et donc j'ai commencé à michetonner vers l'âge de 16 ans. Comment ça s'est passé la première fois? La première fois, c'était un petit ami d'une de mes amies. Qui avait quel âge? Qui avait 35-36 ans à peu près. Et elle avait quel âge? Elle avait 20 ans. Il lui filait du pognon à elle? Il lui filait du pognon, ouais, tout à fait. Et bon, bah, elle m'a présenté, puis on ne sait plus, quoi, mutuellement. Et puis, bon, bah, elle t'a présenté à son petit ami? Oui, comme ça, chose à ne jamais faire. Ouais. N'ai jamais présenté son ami à une copine. Et bon bah c'est venu comme ça, quoi. T'avais 16 ans, lui 35. Lui 35. Et il a commencé à te filer du pognon aussi? Tout à fait. Hein. Payer le restaurant. Il te faisait des petits cadeaux? Tout à fait. Hein. Il te donnait de l'argent? Il me donnait de l'argent, ce qui est très intéressant aussi. Il te donnait combien? Ça dépend. Il me donnait 500-600. Ah, quand même? Quand même. Et t'en faisais quoi de cet argent? Cet argent? Eh ben, je faisais des petites folies avec. Je m'achetais des choses. Des chaussures? Des ensembles surtout. T'as quel âge maintenant? J'ai 20 ans. Ça fait combien de temps que tu michetonnes? 4 ans. 4 ans? Oui. T'en as pas marre? Si, mais je vais m'arrêter. Tu vas t'arrêter? Bien sûr. J'ai des ambitions quand même. Mais ça consiste en quoi alors? En le michetonnage? Oui. En fait, quand on dit michetonner, c'est quelqu'un qui a un travail. C'est très vulgaire. Oui, c'est vulgaire, mais c'est quelqu'un qui a un travail et qui fait ça pour arrondir ses fins de mois. Je veux dire, c'est ça la différence. Voilà, et qui a des ambitions, qui veut réussir dans la vie. Et donc, elle commence par ça. Et. Bon, moi, mes ambitions personnelles sont d'ouvrir une société d'informatique.
Tu bosses dans l'informatique, là. Là, je bosse dans l'informatique à mi-temps. Je prends des cours de programmation. Voilà. T'es très sérieuse, alors? Très sérieuse. Alors, raconte comment ça se passe. Tu fais ça où, d'abord? Sur Paris, hein. Ouais. Ouais, je ne citerai pas de nom. Tu veux pas dire le quartier? Non. Je vais toujours dans des endroits très chics, évidemment, puisque c'est là où on peut trouver des personnes plus intéressantes. Comment ça se passe pour michetonner quand je vais aborder une personne? Je fais d'abord du vitrine. Je regarde donc si des personnes qui sont donc très, très bien de vestimentaire, tenue vestimentaire, et je vais demander du feu. Et puis généralement, ça se passe tout de suite parce que la personne sent. Donc ça se passe. T'habillais comment? Sexy? Toujours tailleur. Hein. Tailleur, ah ouais, plutôt tailleur. Chic. Ah, plutôt très chic. Ouais. Ouais. Donc tu demandes du feu et puis? Et puis, bon, ben, on vient, je vous offre un pot et puis, bon, ben, je commence à dire oui, mais au-delà du pot, c'est 500 francs pour une fellation et 1000 francs pour la passe plus l'hôtel. Voilà. Alors, la fellation se passe toujours dans la voiture. Donc, la personne met un préservatif parce qu'avec le sida, faut faire attention. Voilà, il ne faut pas avoir de problème. Et dans la voiture, sinon dans l'hôtel. On va dans un hôtel. Dans un hôtel, généralement, j'ai l'habitude d'aller. J'en connais 3-4 ou que je. Ça dure combien de temps en général? Alors, la fellation, ça peut durer 20 minutes. 20 minutes. Ouais. Et puis, la passe, c'est une heure. Une heure. Mais si tu invites au restaurant, c'est après ou avant? C'est avant. C'est avant? Avant. Après, c'est fini? Après, on fait nos petites toilettes déjà en arrivant. Sa petite toilette intime. Et avant de repartir, bon ben on se nettoie et puis on se quitte comme ça. Je m'en vais. T'as des clients réguliers? J'ai des clients réguliers, oui. Surtout pour les massages à domicile. T'es déjà tombé sur des maniaques? Jamais. T'as pas peur? Si, ça fait un peu peur, mais ça, c'est les risques du métier. Hein. T'as quoi dans ton sac? T'as une bombe? J'ai un grand rasoir, les vieux rasoirs. Ah bon, les vieux rasoirs. Et une bombe. Donc le mec se prendra un bon coup de rasoir. Quoi. Ouais. Il vaut mieux pas t'emmerder, quoi. Non. D'accord. Voilà. Et ça te fait combien à peu près par mois d'argent? Alors, quand ça marche très très bien avec le michetonnage et les massages, je me fais à peu près 20 000 francs. Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, hein. Et dans l'informatique, tu gagnes combien? Pas beaucoup. Hein. Je dois toucher 5 000 francs. 5 000 francs? Oui. Ah oui, c'est vrai que ça laisse rêveur quand même. Voilà, oui. Et t'as des mecs à qui tu demandes une rallonge des fois pour leur faire des trucs un peu spéciaux ou si le mec veut un truc un peu particulier? Oui, ça m'est déjà arrivé. Hein. Une personne qui était, donc je suis venue pour lui faire un massage et il m'a demandé, il était scato. Ouais. Scatologie. Ouais. Bon, alors là, je lui ai demandé quand même 500 en plus. C'est pas beaucoup en plus quand même. Oui, c'est peut-être pas beaucoup, mais faut quand même pas trop demander. Hein. Ah bon? Donc il avait déjà payé 500 francs de massage. C'est une bonne commerçante, quoi. Quand même, oui. Enfin, quand je peux tirer, je tire. Mais bon, il se trouvait que cette personne, elle n'aimait pas trop insister. Quoi d'autre comme bizarrerie? Sinon, il y a beaucoup d'hommes très très connus, notamment un qui s'est fait... On a entendu donc parler énormément de lui là, ces derniers temps. Il t'arrive de prendre du plaisir avec les mecs? Quand la personne me plaît, oui, beaucoup. Ça te gêne pas, ça? Non. T'es contente? Ben, tant qu'à faire, vaut mieux prendre du plaisir. Voilà, avec le travail. Il n'y en a pas que tu as eu envie de revoir simplement parce qu'il te plaisait et si, pour le plaisir? J'en ai eu envie, mais je ne le ferai jamais parce que c'est business. Business. Voilà. Et tu n'as jamais honte de faire ce que tu fais? Non, pourquoi? Je trouve que ce n'est pas plus honteux de faire ce que je fais que plutôt un métier quelconque. Tes parents, ils ne savent pas ça? Mes parents ne le savent pas, non. Et s'ils le savaient? Ben, ça risquerait de leur faire beaucoup de peine. T'as des frères, des sœurs? J'ai des sœurs et des frères. Elles le savent? Mes sœurs le savent, oui. Qu'est-ce qu'elles disent? Ben, c'est ma vie, quoi. Ça les regarde pas. Elles font pas ça, elles? Non. T'as un Jules régulier? Non. J'ai pas de petite amie. T'as pas envie d'en avoir un? Non, pas pour l'instant. Je suis jeune, j'ai 20 ans. J'ai tout le temps de penser à l'avenir. Hein, côté foyer, hein. Je ne veux pas rentrer dans ce milieu où c'est travail, maison, dodo, à manger. Ouais. Non, pas du tout. Non. Je veux tu bien vas faire profiter. Tu vas faire ça pendant combien de temps? Oh, encore 5 ans à peu près. Et tu auras mis combien d'argent de côté à peu près? Je ne pourrais pas dire, au moins... Je ne saurais pas trop dire. 200 briques? À peu près, ouais, en gros, si c'est quand ça marche très ça bien. Ça suffira pour monter ta boîte? Oui, ça suffira. Et puis, je peux avoir un petit apport personnel également, demander à de la famille. Tu penses quoi des hommes? Les hommes? Les hommes sont tous les mêmes. Au
Renaud de la Baume, tu publies chez Belfond un livre qui s'appelle Les Golden Boys, qui est sorti ces jours-ci. Et toi, Nicolas Miguet, tu as fondé un journal qui s'appelle Business Bourse. Alors, ça tombe très bien, parce que comment voir un extrait de Wall Street après ? Je crois que c'est une très bonne introduction. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, c'est la seule vraie mondialisation actuelle, quoi. Parce qu'on a essayé avec l'espéranto, on a essayé avec deux, trois trucs. Mais par contre, là, le fait que le marché financier, c'est quelque chose qui, par définition, ne s'arrête jamais et tourne autour de la Terre en fonction de... Non, ça ne peut pas s'arrêter. C'est pour ça qu'être Golden Boy, c'est très, très fatigant. Les vrais, les très, très bons, les très forts. Il n'y en a pas encore vraiment en France. On les compte sur les doigts de la main, mais les très, très forts qui sont aux États-Unis, à New York, à Chicago, sont des gens qui, effectivement, travaillent vraiment 24 heures sur 24. Et c'est-à-dire, ils s'endorment. J'en ai rencontré qui s'endormaient, j'en parle dans mon bouquin, qui s'endorment avec l'écran au pied du lit, qui ont une machine... Ils sont réveillés quand la bourse de Hong Kong... Ils ont une machine dans la tête qui les réveille pour la bourse de Tokyo, pour la bourse de Hong Kong, pour la bourse de Londres. Ils ont vraiment une machine dans la tête qui les réveille... En plein milieu de la nuit, quand j'ai vu un type, il m'a dit, moi, je me réveille toutes les 3 heures, je surveille le marché et je me rendors. Et quand je pars en vacances, j'ai l'écran, pas sur le toit de la voiture, mais dans mon jet, parce que lui avait beaucoup d'argent. Donc il a son petit jet, il se promène avec ses écrans partout. Et en plus, toutes les conversations sont enregistrées, comme ça, si des fois il y avait un litige, on reviendrait à la bande originale. C'est très important d'enregistrer, parce que les mouvements vont très très vite dans les échanges de produits financiers dans le monde. Ça va à toute allure. Quand on donne un ordre, ça se passe en 2 secondes, ça va très très vite. Et donc il peut très souvent y avoir des erreurs. Pas forcément des escroqueries, mais un type a dit « je t'achète 14 points et l'autre a dit « non, moi je t'ai vendu, je t'ai pas acheté ». Enfin, ils ne se comprennent pas entre Paris et Chicago, la ligne est mauvaise. Du coup, il peut y avoir erreur. Du coup, tout est enregistré 24 heures sur 24. On retourne à la bande. Et on retourne automatiquement aux bandes, ça toujours. En France, on n'aime pas du tout le système des bandes parce qu'en France... Il y a une protection contre ça. Il y a une protection considérable, donc on ne veut pas. Mais de peu à peu, ça s'installe partout. Mais ça vient, dire qu'il y a beaucoup d'agents de change qui se mettent à mettre sur table d'écoute l'ensemble donc, de leur table de marché. Parce qu'il faut quand même bien savoir qu'un litige, ça représente plusieurs dizaines de millions de francs. Et c'est rien par rapport à l'investissement d'enregistrer sur les salles de marché. Plusieurs agents de change qui ont investi très récemment des sommes considérables parce qu'ils ont vu un certain nombre de confrères qui ont eu des litiges. Et que dire face à un client de mauvaise foi ? Car dire qu'il y a aussi donc, le client de bonne foi, le litige de bonne foi, il y a le client de mauvaise foi qui dit donc après qui donc, dit, que j'ai jamais vendu, jamais acheté parce que le lendemain il est dans le mauvais sens et il se retrouve gagnant à la place d'être gagnant, il se retrouve perdant de plusieurs millions de francs. Et si c'est l'agent de change qui est obligé de se faire contrepartie ou si c'est la banque. Ça coûte très cher. Alors, en échange de cette vie d'enfer, quand même, avec le téléx au pied du lit et les conversations téléphoniques enregistrées, ils sont couverts de filles, roulant... Enfin, maintenant, la mode, c'est de rouler en BMW. Oui, alors... C'est plus trop les Porsche. Ça dépend des modes. À Londres, on aime bien les Testarossa, ça, c'est vrai. J'ai remarqué, quand j'étais à Londres, j'en ai vu un peu partout autour des bancs. À Paris, on se fait très discret, parce que Paris, c'est la France, avant tout. Et la France, c'est un pays très traditionnaliste en matière de banque. Et a priori, quelqu'un qui travaille dans une salle de marché n'a pas le droit de gagner plus que le président de la société. Ça, c'est très clair, officiellement. Officieusement, il y a beaucoup de grandes banques françaises où un homme de 25 ans ou une golden girl de 25 ans peut gagner plus que le président de la société. Le tout, c'est que les syndicats ne soient pas au courant, quoi. Il faut que les syndicats ne soient pas au courant. Ouais. Et ça, ça se développe énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme système, justement, pour ça ? C'est que les grandes banques françaises ont monté des petites structures à l'étranger, à Londres, même à... Il y en a qui en montent à Chicago ou même à Singapour, à Tokyo. Ils montent des petites structures et leurs meilleurs Golden Boys vont travailler dans ces petites structures, sont attachés à ces petites structures qui échappent aux syndicats français, donc qui échappent à la pesanteur des salaires et à la pesanteur syndicale. Alors, il y a eu le crack. Moi, je t'ai rencontré juste après le crack. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs ? Alors, ils ont vendu leurs montres, leurs bagnoles. Ils ont congédié leur pépé. Non. J'ai rencontré un homme, j'en parle dans mon livre, qui s'appelle Paul Tudor Jones, le second, parce que c'est le second de la famille. On lui donnait 1000 dollars il y a 5 ans. Et il est connu pour être un génie aux États-Unis. On lui donnait 1000 dollars. Il vous en rendait 100 000 avant le crash, en 5 ans. Et il en rendait 147 000 après le crash. Tu dis qu'il y en a beaucoup qui prennent de la coke ou qui boivent de l'alcool ou qui... Oui, mais ça, c'est aux États-Unis. C'est vrai que ça fonctionne peu en France. Ouais. C'est un peu de la gaudriole en France, une histoire d'alcool qui tourne autour des salles de marché. Effectivement,
Il y a quelqu'un à Paris qui est très connu, qui a été un des hommes les plus brillants dans les salles de marché. Celui qui a fait bouger le franc. Alors lui, il est absolument extraordinaire. Je ne peux pas citer son nom. C'est un pas mec qui un jour, en sortant d'un déjeuner, dit « je vais faire bouger le franc ». Il a dit « je vais faire bouger le franc ». Il était dans un café autour de la bourse, il a pris son téléphone, il a appelé les traders aux États-Unis. Il a acheté du franc contre dollar. Il a fait bouger le franc en 2 heures. Bon, ça, on ne pourrait plus tellement le faire aujourd'hui. Lui, il l'a fait il y a 10-15 ans. Il a été mis sur la... Et la Banque de France s'est émue aussitôt. Je veux dire, le franc bougeait à cause d'une personne qui faisait un concours d'alcool de prune dans un bar à Paris. C'est quand même génial. Ouais, c'est bien. Aujourd'hui, on ne pourrait plus tellement faire ça. Et cette personne, ensuite, a été mise dans un placard, mais est restée dans la banque. Hein. Elle a gardé son poste, alors qu'elle a fait perdre à la banque en quelques heures quelques dizaines de millions de francs facilement. Elle est restée dans la banque, on l'a mise dans un placard pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, on l'a ressortie d'un placard. Il vient de prendre sa retraite, là. Mais il a dirigé une salle de marché. La puissance américaine, théoriquement, la chose la plus étonnante du bouquin de Renaud, c'est Bérégovois. C'est-à-dire que j'ai découvert dans ton bouquin que finalement, Bérégovois est un mec vachement bien, qui avait fait beaucoup, quitte d'ailleurs. C'est étonnant, vrai, ça. Mais Bérégovois a littéralement, mais il a cassé des frontières qui étaient là, droites et dures. Il a cassé un monopole, une sorte de syndicat. C'est-à-dire qu'on disait, on avait par exemple, des trucs idiots, c'est les emprunts d'État. Pendant longtemps, pendant 40 ou 50 ans, à tour de rôle, les trois grandes banques françaises dirigeaient les emprunts d'État. Alors c'était une rente. On avait 25 ou 30 millions de commissions qu'on était sûr de toucher chaque année. Bérégovois a dit, mais c'est quand même pas normal. Il les a mis en concurrence. Puis comme il s'est aperçu que les banques françaises, qui en plus étaient nationalisées, s'entendaient pour avoir les mêmes prix, il a dit, bon, bah, puisqu'elles s'entendent, bah, on met les banques étrangères en chef de file d'une émission d'emprunt d'État français. Donc, je veux dire que ça a permis d'économiser des dizaines de millions de francs à l'État. Et surtout, bon, ça a complètement cassé donc, un système de marché. Ça, c'est autre chose. Le dernier décret du gouvernement socialiste qui est paru le 16 mars 1986, c'était la fin des autorisations préalables pour les OPA. C'est-à-dire que l'État français avait le droit de dire que quelqu'un avait le droit d'acheter une société en bourse ou n'avait pas le droit. Et bien, depuis le 16 mars 1986, le dernier décret du gouvernement socialiste, le dernier décret, c'est quand même symbolique, l'État n'a plus son mot à dire, sauf quand il s'agit d'une boîte étrangère hors communauté européenne qui veut attaquer une société française. En hommage à Pierre Bérégovois, on va voir les meilleures images de Wall Street. From the director of Platoon, Wall Street. The stock is plummeting. When it hits 18, buy it all. Something big is going down. I want to know where he goes and what he sees. I want you, pal, to fill out the missing picture. Mr. Gecko, that's not exactly what I do. Where you can trade your honor. I can lose my license. That's inside information. For power. If you're not inside, you are outside. I know what this guy's all about. Greed. There is no nobility in poverty anymore, Dad. Greed is good. Greed works. What makes you tick, bud? The fear of being poor. That's all gonna change. So I'm catching the express. All right, Mr. Gecko, you got me. Trade your peace of mind. What's in it for moi? More money than you ever dreamed of. Just the beginning, pal. If any trouble does arise, you are on your own. The trail does stop with you. For a piece of the action. The richest 1% of this country owns half our country's wealth, $5 trillion. All it takes is a little inside information. I don't care where or how you get it. I think you owe me. And you can trade everything you believe in. He's using you, kid. You're too blind to see it. For everything you've ever wanted. I got a strange call from the SEC. They asked to see my records. This is heavy, bud. I don't know where you get your information, son, but I don't like it. Michael Douglas. Why do you need to wreck this company? Because it's wreckable, all right? Charlie Sheen. When does it all end, huh? How many yachts can you water ski behind? How much is enough? Daryl Hannah. You may find out one day that when you've had money and lost it, it's much worse than never having had it at all. Martin Sheen. What I see is a jealous old machinist who can't stand the fact that his son's become more successful than he has. What you see, he's a guy who never measured a man's success by the size of his what? An Oliver Stone film. Wall Street. Alors Christine Boisson, on t'a vu dans Rue Barbare, dans Extérieur Nuit, dans Identification d'une femme, dans Le Passage, dans quoi encore? Dans quoi encore? Dans Monet la sorcière, Susan Schiffman, dans... Oh, j'ai jamais toute ma filmographie en tête, moi. C'est l'actrice qui monte, hein. Oui, en plus, oui. Non, si c'est vrai. Mais t'es pas très connue, quand même.
Oui. Alors, on va essayer de faire connaissance. Alors, Boisson, c'est ton vrai nom? Boisson, c'est mon nom. À l'école, c'était pas un problème de s'appeler Boisson? Ah, ça, on a trouvé tous les surnoms possibles. Qu'est-ce qu'ils disaient, les gens, à l'école? Boisson, soif, je sais pas quoi. Boisson, t'as mis du coton. Boisson, je sais pas quoi. Forcément, on fait des jeux de boissonnade ou des trucs comme ça. T'as pas eu envie de changer de nom? Non, j'aimerais, parce que c'est un nom que je trouve plutôt simple et facile à retenir. Ouais. Et puis c'est le mien, c'est celui de mon père, je vais le garder. Il y a un film qui n'est pas dans ta filmographie, justement, c'est Emmanuel. Si, il y a, ça dépend des films. Ah non, moi j'ai vu des films où il n'y est pas. Ça dépend. T'en as honte d'avoir fait ce film? Non, il y a quelques moments où j'avais eu envie de l'effacer de ma filmo, parce que j'estimais que ce n'était pas forcément un si bon souvenir pour moi, pour que tout le monde le sache. Et non, en général, dans les derniers films, il y est. Ah bon? Oui, non, j'ai pas spécialement honte, c'est... Je sais pas, je l'ai pas vu celui-là. Pas... C'était Emmanuel numéro combien? C'était le premier. Ah, c'était le premier? Ouais, c'était le premier. Et que ça s'est passé comment à l'époque? À l'époque, bon, tu avais 17 ans quand même. À l'époque, j'avais 17 ans, puis j'étais allée dans une agence de mannequins qui s'appelle Catherine Harley pour faire des photos, pour me payer des cours d'art dramatique, tout ça. J'ai jamais fait énormément de photos et puis j'ai rencontré Jacquin par son intermédiaire parce qu'il était photographe auparavant et il m'a choisi pour faire ça. Mais t'allais pas à l'école à l'époque, ça n'a pas posé de problème? J'allais encore à l'école. Ouais. Non, ça n'a pas posé de problème. T'étais pas très studieuse à l'école? Si. On m'a permis de... On m'a donné des vacances. Et t'as eu du mal à t'en remettre de ce film? C'est pas tellement que j'ai eu du mal à m'en remettre psychologiquement parlant, ça m'a pas ni atteinte ni touchée, c'est simplement que j'ai eu du mal à faire changer dans l'optique des gens le type de rôle que je pouvais interpréter. Donc j'ai compris assez rapidement que je m'étais fourvoyée dans un piège quand même. Et après ça, j'ai décidé juste après la sortie d'Emmanuel, tout ça, j'ai décidé de faire des écoles, d'apprendre à jouer, tout ça. J'ai passé le concours de la Rue Blanche, puis juste la même année, celui du conservatoire. Et puis j'ai été acceptée aux deux. Et j'ai passé 3 ans au conservatoire à faire que ça. Alors quand tu étais petite, tu étais amoureuse d'un type qui s'appelait Thierry, dis donc. Ça m'a vachement fait plaisir quand j'ai appris ça. Mais il paraît qu'il avait les yeux bleus, les cheveux blonds, j'étais assez emmerdée. J'ai aucune chance alors. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai, oui, je ne me souvenais pas que j'avais dit ça dans un article. Je sais dans lequel maintenant. Tu vois? Exactement. Dans le matin? Oui, oui, absolument. Et t'aimes que les mecs ont les yeux bleus et les yeux blancs? Oui, c'est assez systématique. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas une préférence, mais c'est assez systématique. Ouais. Oui, oui. Alors là, tu joues dans un film qui s'appelle La Maison de Jeanne, que j'ai vu, qui est de Magali Clément, c'est ça? Oui. Alors le film, il est bien. Toi, tu es très bien dans le film. Merci. Non, vraiment, mais t'as des regards en dessous comme ça qui sont très intéressants. Alors le film, c'est terrible pour un mec, tu vois, parce que les mecs sont représentés d'une façon dans ce film, des espèces de types un peu comme ça, ivrognes, castrés, qui sont velléitaires, non? Oui, mais en même temps, enfin, je sais pas, je sais que Magali dit en quoi un film fait par un homme sur des hommes est étonnant. Pas du tout, puisque c'est monnaie courante. En quoi un film sur des femmes fait par un homme, ça c'est déjà plus intéressant parce qu'il y en a déjà moins. Et un film fait par une femme sur des femmes, c'est encore plus rare. Effectivement, quand dans un film d'homme, on aperçoit un rôle de femme qui est plus ou moins développé ou plus ou moins intéressant, on s'en étonne pas outre mesure. Et je pense pas que les hommes soient traités comme s'ils n'avaient pas... Celui qui joue celui qui joue le Jules de ta sœur et celui qui joue ton père, ils sont pas d'honneur. Il n'y en a aucun qui sauve. C'est des types d'hommes qu'on rencontre. Il y en a même un qui aussi. Arrive, alors on se dit, celui-là va pas être comme les autres, il va être un peu plus... il va être mieux que les autres. Finalement, il n'a qu'une envie, c'est de se faire absorber par cette bande de filles, par cette auberge. Oui, mais je pense que c'est... Bon, les types d'hommes qu'on rencontre dans le film sont des types d'hommes qui existent. Et puis, ce film n'est pas censé non plus faire un tableau de... du genre masculin non plus. Donc bon, je sais pas. C'est difficile comme film, c'est un huis clos en Auvergne en plus. Oui. C'est gonflé de faire ça quand même. Oui, c'est assez gonflé. Moi je trouve que c'est assez réussi d'ailleurs. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais à part travailler? Travailler. T'as pas de fiancé? Si. Ah. Si, mais ça... Album Sylvain Berger, 21e édition. Ce qu'on entend, c'est Cannonball Adderley, Tango Tango. Ce qu'on voit, c'est Vladimir Volkov et le prince Morosi, Karen Cheryl. Aïe ma mèche. Ça, c'est la main d'un machinot. Christophe Salingro, avec Alain Veil. Ambiance. Roger Vivier, avec les deux boys Georges du lundi. Les chouchous de la semaine.
Le pont de Bir Hakeim vu par Sylvain Berger. Fête Globe au Palais de la Découverte, sponsorisée par Gérard Longuet. C'est ça la cohabitation. Jean-Pierre Calfon. Ça c'est quand Hardy Fess met les disques. Chachenil, son impossible amour. Jambes. Cul. Porte Jartel. Baiser profond. Floc. Floc. Chachenil toujours. Michel Fitoussi, tu travailles à elle ? Michel Fitoussi, je travaille à elle, oui. Et tu fais quoi à elle ? J'ai une rubrique qui s'appelle L'œil sur eux. L'œil sur eux. Et Annette Lévy-Villard, tu travailles à l'IB. Et tu es quoi, Grold ? J'essaye. C'est quoi, Grold ? À Libération ou réalité ? En réalité, Grold, tu sais ce que c'est de grands reporters opérationnels longue distance, voilà, qui arrivent dans un hôtel, ouais, et qui disent qu'ils voudraient une chambre pour deux. Ouais. T'as un employé de l'hôtel qui dit, et vous êtes tout seul. Pour l'instant. Ah d'accord, c'est ça, Grol. D'accord. Alors vous avez fait des livres qui sont très rassurants pour les mecs. Oui, ouais, c'était pas le but de l'opération. Ah, si vous en vendez à tous les mecs, elle a déjà vendu beaucoup, Michel, mais ça m'étonne pas, ça fait plaisir aux mecs. Alors, Albol des Superwomen, c'est d'un seul coup les femmes qui ont voulu à la fois travailler, avoir des enfants, etc. Voilà. Il faut être sexy, être bien, être drôle, être intelligente, être au bain jusqu'à 2h du mat, et puis le matin, président d'un conseil d'administration. Voilà. Elle craque. Elles disent trop, c'est trop. Voilà. On n'en peut plus. Mais moi, j'en connais des comme ça, parce que la productrice de Bain de Minuit et de Face à France, Catherine Marmas, je me souviens, on était en Martinique. Au milieu du bordel le plus total, j'entendais comme ça, je la trouvais plus, d'un seul coup j'arrive, puis je la vois au téléphone, elle fait « Mais non Elsa, couche-toi Elsa !» Et j'ai découvert qu'au milieu j'ai fait voyager avec elle à Londres, et voilà, je sais qu'elle en a plein d'enfants. Voilà, alors elle a plein d'enfants, et elle expliquait comment il fallait qu'elle se couche, comment il fallait qu'elle mange, c'est etc. Ça, ouais. À 3000 ou 7000 km de distance. Voilà, c'est ça, donc, c'est ça, nous, une superwoman. C'est nous, je pars jamais sans dire, sans lire l'histoire, sans faire des activités, ouais, d'éveil. Sans retéléphoner, sans surveiller la nounou qui ce matin a eu une crise d'appendicite trois semaines. Sans nounou, alors il faut en chercher une autre, donc tu vas au travail et tout. C'est vachement bien. Mais le livre est drôle en tous les cas. Il fallait bien, ouais. Non, c'est très drôle parce que tout ça est raconté avec beaucoup d'humour, c'est bien écrit. Il fallait. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas que ça marche. Moi, ça me fait un peu peur, les Superwomen. Moi aussi. Je suis content que t'en sois plus une, vraiment, pour te dire. Je rentre pas là. Ça va nous rapprocher. C'était son testament. J'étais une fois une Superwoman, mais c'est fini. Je ne le referai plus. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, de toute façon ? Tu sais, c'est valable pour tes enfants, parce que toi, tu es obligée d'être une Superwoman. Avec mes droits d'auteur, j'ai arrêté de travailler. Je retourne à la maison. Tu vas faire des confitures. Je vais m'occuper de mon mec, je vais me déchaîner. Là, il garde les enfants. Enfin, 24 heures. Elle va rester à la maison 24 heures. Après, elle va craquer, sortir à courant. Tu sais, maintenant, t'as goûté au pouvoir dans la journée. Je vais faire des confitures, après, je ferai une multinationale de confitures. Ouais, c'est ça, oui. Comme dans le dessin de son petit. Ah ouais, maintenant que t'as goûté au pouvoir et tout, comment tu vas faire ? Bah, je sais pas, je continue, c'est ça ma bêtise. Je continue. Je suis obligée. Et le pire, c'est ma fille qui veut aussi être une superwoman, elle veut 4 enfants, 3 métiers. Ah oui. Ouais. Et elle veut que je garde. Donc ça serait peut-être héréditaire, cette histoire de superwoman. C'est une erreur. J'essaie de leur dire, mais non, calmez-vous maintenant, ça vaut pas le coup, c'était pas ça qu'il fallait faire, et qu'on s'est trompé, non. Impossible. Alors toi, Annette, à part Harrison Ford. Et on disait avec Michel que mon livre se termine là où son livre commence. C'est très drôle. C'est très drôle parce que... Il dit la guerre est finie et moi je dis on avait gagné, mais en fait il y a une guerre. Voilà, et elle prend, ouais, le relais. Moi je termine sur un happy end et puis ensuite Michel raconte comment ça se passe après le happy end. Alors tu vois, toi voilà, toi, c'est bien que ça termine bien. Finalement, elle est plutôt années 80, quoi. Hein. C'est la Superwoman, comme ça, les années 80, tout à voir, à la fois profiter de la libération, du fait que les femmes travaillent, mais sans perdre ce qu'on avait à la maison. Toi, c'est plutôt années 70, c'est-à-dire tout ce qu'on a supporté, quoi, le féminisme, le machin. Tu mets-toi à notre place un peu. Elle, c'est très, très drôle. Ces descriptions des féministes américaines, elles sont à se rouler par terre. Parce qu'on a été comme ça, c'est atroce, t'imagines. Mais moi, je pense que c'est très drôle en même temps. On a beaucoup rigolé. Quand même. On a beaucoup rigolé. Et maintenant, c'est on génial. Peut rigoler encore plus, ouais, fort. Ouais, c'est ça. Quand même, c'était fini, on peut rigoler. C'était vraiment bien. Avec nostalgie, plaisir, ouais, c'était bien. Vraiment. Mais vous imaginez le nombre de filles qui ont été induites en erreur par des gens comme vous et qui maintenant ne peuvent pas s'en sortir. Elles sont très très mal. Bah ouais. On est mal d'accord. D'ailleurs. Parce que vous faites un bouquin, bon, puis c'est fini, mais... Non, mais le problème, c'est qu'elles n'aiment pas du tout nos livres. Mmh. Par contre, les mecs aiment beaucoup les livres. Ah oui, les mecs, c'est sûr. Mais les filles ont compris quand même. Je crois qu'elles aiment bien, en fait. Elles ont compris qu'elles étaient flouées.
Si, découvrir. Enfin, quand on lit ton bouquin, quand même, Annette, on s'aperçoit que c'est un boulot qui est pas très drôle, quand même, là, non ? Quoi ? Je sais pas, là, tes trucs, là, quand t'es à Beyrouth, quand t'es... C'est drôle de faire ça, là ? Non, pas du tout, mais c'est un mythe. Ah ouais, c'est Pourquoi tu crois qu'ils sont au bar en train de boire les grands reporters ? Parce qu'ils flippent. Ah oui, c'est terrible. Ils flippent complètement. Très... En plus, maintenant, avec le sida, ils peuvent même plus profiter des locales. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Ils picolent. Bah ouais, parce qu'on s'aperçoit que c'est un métier qui a une image terrible, mais que quand... Bien sûr. Hein, quand tu fais tout seul, quand tu cherches ton Asie en Amérique du Sud, là, c'est... En Asie, je suis pas reporter. En Asie, c'est une autre histoire. Mais d'être grand reporter, c'est vraiment... Moi, j'ai vu des grands reporters en larmes dans un bar du Hilton, bar du Sheraton, bar de la Terre. Oui, c'est la mythologie du grand reporter. Oui, en famille. Par contre, quand ils rentrent chez eux, ils sont insupportables. C'est absolument épouvantable. Ils sont pas leur famille, ils se demandent pourquoi ils ont fait des mots. Ils repartent immédiatement. Alors maintenant, conclusion, le message. Alors voilà, nous ne sommes pas des repentis ni des renégates. Nous ne crachons pas sur nos féministes, les féministes, pas nos ex-sœurs. Au contraire, on leur dit merci, grâce à vous, Il fallait le faire. Elles devaient le faire, elles l'ont fait. Bravo. Elles pouvaient le faire. Alors on peut parler d'autres choses. Les nouvelles générations pourront en profiter. Voilà. Et on peut dire qu'on aime les mecs, on n'a plus honte. Non, on n'a plus honte. On les aime. On le dit. On les aime. Ils nous font chier, mais on les aime. Bonne bise. Avec du rouge à lèvres, là. Voilà, c'est bien. Les années 90 s'annoncent très bien. Tiens, quelle est la différence entre vous et Madame Claude ? Il y a beaucoup de différences. Bien sûr, j'ai tenu un bordel pour l'argent, mais j'en ai retiré beaucoup de plaisir. Je crois que Madame Claude est davantage une femme d'affaires. Mes clients, pour la plupart, c'était des hommes assez âgés qui avaient perdu leur femme, et il y avait aussi des handicapés. Et je crois que pour la majorité des madames, ce qui compte, c'est que les clients aient de l'argent. Moi, plus les clients étaient vieux, plus j'étais gentille envers eux, même s'ils n'avaient pas d'argent. Je les laissais entrer gratuitement et ils pouvaient regarder. Vous savez, certains hommes à 80 ans, ils ne peuvent plus, mais ils adorent regarder. Alors quand un client n'avait pas d'argent, si je l'aimais bien ou s'il me faisait pitié, le fait qu'il n'ait pas d'argent, ça ne changeait rien. Il y a beaucoup de gens que j'ai laissé entrer gratuitement. Ça a été prouvé au tribunal lors de mes deux jugements. Quelle est la meilleure manière de faire bander un mec qui a dans les 80 ans à peu près ? Quel conseil donneriez-vous à une fille ou à une épouse ? D'abord, il faut qu'elle le mette à l'aise. Un vieil homme face à une jeune fille se sent parfois gêné parce qu'un vieil homme n'aime pas se déshabiller devant une jeune fille. C'est mon père qui m'a expliqué ça. Mon père m'a dit, j'aimerais bien une fille jeune et je lui avais trouvé une fille d'environ 28 ans. Lui avait 68 ans. Et il m'a dit, non, Cynthia, j'ai dit pourquoi. Il m'a dit, je serais trop gênée. Si j'étais plus jeune, je te dirais, d'accord, mais j'ai du ventre et je serais gênée de me déshabiller devant une jeune femme. Il faudrait que tu me trouves une femme d'environ 35 ou 39 ans. Donc il faut vraiment mettre l'homme à l'aise. Moi, je trouve que le meilleur moyen pour faire bander un homme, surtout quand il a bu un verre de trop, c'est le vibromasseur. Généralement, je garde un vibromasseur sous le lit. Et quand un client avait trop bu et que la fille n'arrivait pas à le faire jouir, je branchais le vibromasseur. Je ne l'utilisais qu'en dernier recours. Parce que la machine, c'est vraiment le dernier recours. Mais pour un homme de 80 ans, c'est fini. Les pulsions sexuelles chez l'homme s'éteignent vers 67, 68, 69 ans. Et après, on bande plus, quoi. Pas facilement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'éprouve pas du plaisir à regarder les autres faire l'amour. Mais il y en avait une autre, celle-ci. Elle était très bien faite, très jolie. Mais les clients se plaignaient car à chaque fois qu'elle faisait l'amour, elle gardait une cigarette allumée en train de se consumer dans le cendrier, comme vous faites. Comme moi, ouais.
Et des fois, elle faisait une pipe aux clients et les clients me disaient, parce que les clients, quand ils n'étaient pas contents, ils venaient se plaindre. Ils me disaient, elle est jolie, mais elle est vraiment un peu trop décontractée. Je leur demandais pourquoi. Ils me répondaient, eh bien, elle est en train de me faire une pipe et puis tout d'un coup, elle s'arrête et elle dit, excusez-moi, il faut que je prenne une bouffée. Et elle prenait la cigarette dans le cendrier et elle faisait ça plusieurs fois. Et à la fin, j'ai été obligée de la renvoyer. Et elle avait sa cigarette qui se consumait pendant la pipe, quoi. Oui, c'est ça. Elle était très jolie, mais elle était un peu trop à l'aise. Elle n'était pas assez pro, quoi. Il y avait une autre fille qui était vraiment très très jolie. Elle se faisait appeler la princesse indienne. Alors elle parlait politique quand elle était au lit avec un client. Elle finissait par se disputer avec lui et il fallait que je rembourse le client parce qu'elle était très jolie, mais elle était vraiment trop préoccupée par la politique. Et je ne sais pas si elle parlait politique pendant ou après. Mais j'ai dû la renvoyer. Toutes les filles qui étaient très belles, j'ai dû les renvoyer. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas avec elles. Ce que je faisais, c'est que quand un client n'était pas satisfait, je le remboursais. Laurence Bénaïm, François Lesage, bonsoir. Alors Laurence, tu travailles au Monde et à l'Express Paris. Oui. Tu viens de publier un bouquin qui s'appelle L'année de la mode, qui est très bien. Merci. Et qui commence par les grands événements de l'année. Alors le premier événement, c'est la croix quand même. La croix, la naissance d'une maison de couture, ça s'était pas fait, je crois, depuis un garrot, depuis 68. Donc il fallait en parler en long et en large, montrer les photos, l'Espagne, toute cette explosion. Et c'était montrer la croix et aussi montrer l'enthousiasme que ça a suscité, l'affolement des rédactrices de mode. En un an, c'était extraordinaire. Là. Extraordinaire, oui. Tout le monde, elles étaient toutes en noir, elles sont revenues habillées en petite esmeralda. Il y a les 40 ans de Dior aussi, le New Look, l'anniversaire du New Look. Oui, les 40 ans de Dior, l'anniversaire du New Look. Je crois que c'était important parce que ça correspondait bien à l'ère du temps, 87. Il y a l'Espagne, il y a les chapeaux, les mariés. Les mariés, puis il y a aussi le mariage de la haute couture, le retour de la haute couture, c'est l'éternel retour de la haute couture. Ouais. Et le mariage avec le théâtre aussi, avec tout ce qui a été fait pour... Je crois que de plus en plus, les couturiers participent au théâtre, à la danse. Mm-hmm. On l'a vu avec Lacroix, qui a fait les costumes de Zoopsy Comedy, qui va recommencer avec Baryshnikov, La Gaieté Parisienne. Ouais, Lacroix, Baryshnikov, La Gaieté Parisienne d'Offenbach, au mois d'avril à New York. Je crois qu'on se lasse un peu du costume de costumier. On a envie que le vêtement vive sur scène. C'est pour ça qu'on fait appel à des couturiers, je crois. Il y a une partie qui est intéressante aussi, c'est sur tous les nouveaux créateurs. Ouais. Il y en a un qui est cher à mon cœur, c'est Franck-Joseph Bastille. Et qui est cher au mien. Ouais. Et puis, il y a Olivier Guillemin. Olivier Guillemin, Nikita Godard, Nathalie Garçon. Odile Lanson. Odile Lanson. J'ai peur d'en oublier. Non, t'en oublies sûrement, mais c'est déjà très très bien, puisqu'ils sont tous dans ton bouquin. Alors, l'autre jour, j'ai lu un article de toi dans Le Monde, où tu parlais de la maison Le Sage. Alors, c'est pour ça qu'on a eu envie d'inviter François Le Sage. Vous êtes le brodeur, chef brodeur, là, de toute la haute couture française. Alors,
je suis brodeur de père en fils. Ouais. Oui, ça a commencé il y a 120 ans. Nous avons 120 ans. Enfin, ouais. Je ne passe pas sur les détails des changements de société, mais enfin, mon père a repris cette affaire en 1924. Et moi, à sa mort en 1950, de retour des États-Unis, où j'avais travaillé avec les studios de cinéma, Jean-Louis de la Columbia, Irene, etc. J'ai repris cette maison et le flambeau, puisque mon père avait disparu, avec ma mère. Et depuis bientôt maintenant 40 ans, j'anime cette maison. Alors comment ça se passe avec Saint-Laurent, par exemple? Alors Saint-Laurent, ça se passe parfois par téléphone. C'est Marrakech, non, c'est sa gardienne du temple qui me téléphone en me disant crocodile, serpent. Alors hop, bon, crocodile, serpent, on apporte des échantillons et en général... Mais j'ai une telle osmose avec, avec Yves et une telle profonde amitié, une telle admiration que c'est facile. Bon, cette saison est un fait, c'est qu'on a fait très très fort. 40, combien de modèles? On a sorti pour lui 35 modèles. Et ça a été... venez me voir. Bon, au début, il m'avait téléphoné en me disant allez voir le dôme du Grand Palais, parce que c'est dégradé du noir au bleu et ça passe à l'orange. Faites-moi un cardigan comme ça. Bon, j'étais voir. Il me demandait un cardigan en paillettes, j'étais pas convaincu. Et puis, brusquement, il me dit ça y est, j'ai trouvé. Il vient et il me sort 15 croquis de braque. Bon, très, très, très bref, mais quand même, Saint-Laurent a un trait de crayon très sûr. Et tout de suite, il met une petite touche de couleur. Bon, à moi d'interpréter. Alors, l'interprétation en broderie, c'est extrêmement difficile parce que est-ce qu'il faut que ça brille, est-ce qu'il faut que ça soit mat, est-ce qu'il faut que ça souligne un trait noir et autres. Et puis, je lui ai amené les 2, 3, 4, 5 premiers échantillons. Et puis, il était tellement passionné. On m'apportait les croquis par coursier et par téléphone, je lui disais en disant pour la signature de braque, est-ce que je mets un trait de noir ou est-ce que je mets un trait de... Bon, écoutez, oui, quand même, un peu plus pastel, etc. Il y a vraiment une très grande collaboration. Avec la Croix, comment ça va? Bon, la Croix, c'est mon filleul. Ouais. C'est mon filleul. Christian, il vient voir la collection. On corrige. Bon, il prend... il me dit, tiens, j'aimerais bien le haut de ça, le bas de ça, et puis dans le dos, on va mettre un bouquet un petit peu. Bon, quand on a fait les manèges. Ce que j'aime beaucoup chez Christian, c'est l'insolite. Et on était tout à fait d'accord en disant que cette saison, l'intéressant, c'était de mélanger le raffinement d'un satin avec une toile de soie qui serait presque une toile à sac. Et le tour rehaussé de temps en temps d'un diamant. Ça vous pose pas des problèmes, travailler avec des gens entre qui la concurrence est tellement vive? Moi, je suis la Suisse. Ah bon, d'accord. De temps en temps, ils se tirent dessus. Ouais. Et je dis, je suis pas le Liban. Hein. Docteur Labus, chorégraphie Jean-Claude Galota pour le groupe Émile Dubois, en ce moment au Théâtre de la Ville. Jean-Claude Galota, tu diriges la Maison de la Culture de Grenoble, que tu as rebaptisé le Cargo d'ailleurs. Pourquoi? Ben, c'était pour lui donner un prénom d'abord, lui donner un axe un peu plus moderne, comme un petit coup de peinture, mais sans annuler Maison de la Culture. Hein. C'est son nom de famille, on le garde, c'est le patrimoine, il ne faut pas y toucher. C'est rare qu'un homme de ballet dirige une Maison de la Culture quand même. En général, c'est plutôt des gens de théâtre ou des gens de... Comment ça s'est passé? Oui, c'est la première fois, en fait. Ben, je crois que c'était à l'époque de Jacques Lang. Il avait très envie de mettre des artistes à la tête de Maison de la Culture. Et puis, comme on a fait un peu parler de nous avec le groupe Émile Dubois, qu'on était grenoblois, qu'il fallait une succession à un homme de théâtre, c'était une manière de marquer l'époque. Et la star montante de la danse en France, en Europe, c'est un mouvement extraordinaire. Moi, j'ai vu ce que tu fais, j'aime bien ce que tu fais. Et j'ai lu ce qu'il y avait écrit. Était écrit sur toi et sur ton groupe, et j'ai rien compris. Alors pourtant, j'ai le bac, j'ai rien compris. Est-ce que ça ne gêne pas, cette espèce d'analyse comme ça, très intello de ton travail, qui finalement pourrait rebuter pas mal de gens et faire croire que c'est abscon, que c'est inabordable? Non, mais il y a un vrai problème. À la fois, moi, je suis le premier touché de ça. Par exemple, j'aimerais ne pas en parler de mon spectacle. J'aime dire venez voir. À la limite, on fait des images. Mais même ça, ça a du mal à passer. Il faut toujours faire des preuves par le langage, par le verbe. Et je dis, c'est deux langages différents. Mais alors, ça, c'est dans l'absolu. Mais après, je comprends que certains veulent écrire
à partir de ce qu'ils sentent. Donc c'est normal après qu'ils développent par rapport à l'écriture, même si ça ne rend pas compte. Donc je ne vais pas complètement les accuser. Bah, je ne veux pas te fâcher avec tous les journalistes qui écrivent sur toi, mais enfin. Non, il n'y a pas que les journalistes. Que Hard Press soit compliqué, on comprend, mais même dans l'IB, c'est très dur à comprendre ce qui a été écrit sur toi, non ? Mais je crois que c'est. Enfin, moi, je le séparerais. Je dirais qu'au niveau de l'écriture, c'est bien. Moi, je sais que c'est une chose qui c'est bien écrit, mais ça ne rend pas très clairement ton travail. Quand oui, même. Alors, ben, l'autre problème, c'est ça. Il faudrait inciter les gens, et peut-être que des émissions comme ça peuvent le faire. Ce qu'on va voir, c'est quoi, là ? Ben, c'est un extrait de Docteur Labuste. Donc, il y a ces quatre couples qui racontent une histoire de vie, justement, avec le langage du corps. Et puis, c'est un extrait. Expliquer le plus clairement possible comment tu abordes la danse et la façon dont tu conçois ton travail finalement. Oui. Écoute, moi j'ai l'impression que avant de dire que c'est de la danse, pour moi c'était de trouver un langage qui était contemporain, qui était d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que, enfin, dans le théâtre on a bien donné avec les mots, etc. Que la musique, eh bien, c'est une inspiration, une source d'inspiration, et le cinéma aussi, et la rue. Voilà. Donc j'essaye de mélanger tout ça et de le faire à travers le corps. Mais le corps, ce n'est pas limité à une technique. Il y a aussi la langue comme organe, la langue qui parle, il y a la tête, il y a les yeux qui bougent, un peu comme la danse indienne. Il y a l'expression qu'on vit tous les jours. Donc j'ai essayé de faire une espèce de cinéma en relief avec le corps humain. Donc je raconte des histoires sans en raconter. Je raconte des émotions, en fait, des sentiments. Les gens sont plongés dans un spectacle total où il y a de la musique, des décors, des costumes. Et les gens ont l'impression de comprendre. C'est un peu comme un rêve éveillé. Ils ont l'impression mais quand de on comprendre. Voit, on comprend. C'est quand on lit qu'on voilà, comprend. Voilà, mais comment faire hein. C'est Bacon, il disait, la peinture et les mots, c'est deux langages différents et on est obligé de se servir de l'un pour parler de l'autre. Et c'est un vrai problème. Raconte-moi comment tu as fait le tas, par exemple. Le tas. Oui, où tu as dit, c'est toujours les filles qui sont à poil. Alors là, on va mettre des garçons à poil et des filles habillées. Raconte comment ça s'est passé. Oui, alors c'est ça. À un moment donné, j'avais besoin d'une image parce que les danseurs étaient regroupés comme dans une espèce de huis clos. C'était un peu toute la mémoire du corps qui devait être représentée là, par une image forte. Et puis, c'est vrai que dans l'histoire de la danse, la ballerine, c'était à la fois la pute et la déesse. C'était les deux choses. C'était soit la diva, soit elle est obligée de tapiner pour les fins de mois. Et il y a toujours associé la danseuse et la pute. Et je me suis dit, et l'homme était toujours abstrait derrière, très, très romantique comme ça. Et je me suis dit, là, il faut casser ça. Et les mœurs nous y aident. Il faut montrer que l'homme aussi, il a une espèce de corps avec tout ce que ça suppose, de gros lots qui pendent. Et, à un moment, la fille lui prend. Voilà, elle joue avec le sexe. Et là, ce qui est important pour moi, c'est d'aller au-delà de l'ironie. C'est vrai que pour les gens, c'est un choc par rapport à ce qu'ils connaissent. Mais moi, j'en joue déjà comme un organe, comme les enfants, sans problème. Ouais. Tu vois, c'est un jeu, voilà. C'est très fort, non ? Et alors, du coup, les filles, elles restent en soutien-gorge et les hommes sont nus. Ils sont complètement nus. Voilà, et il y a un jeu avec les organes. Les organes, c'est un truc, quoi. C'est qui ton idole en danse ? En danse, c'était peut-être les grands danseurs américains, style Fred Astaire, Jerry Kelly, des gens comme ça. Mais autrement, pour moi, c'est plutôt des acteurs de cinéma. Enfin, je veux dire, quand je parle avec les danseurs, je dis « allez voir Marlon Brando, allez voir James Dean », des gens qui mélangent à la fois l'acting et à la fois leur vie, quoi. Et j'ai l'impression qu'on est en train de chercher ça dans la danse. Chose qui était interdite, c'est de mettre de la vie. Donc, quand les gens disent « théâtre, danse », c'est pas théâtre, danse. Pour moi, c'est danse et vie. Ce qu'ils amènent, les danseurs, c'est leur vie. Oh!
Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.